Alors, donc Lannenberg, premier cru pour commencer. Donc terroir de Saint-Hippolyte, qui est sur des granites. Une exposition plein sud, toujours des sols très précoces, un endroit très précoce parce que très ensoleillé, des sols très drainants qui ne gardent pas beaucoup d'eau. Et donc qui font toujours des vins comme ça, avec beaucoup de délicat, plutôt dans l'ouverture, hein. Des vins secs aussi, hein, minéraux. Oui, parce que précoce, justement, hein, on n'a pas de botrytis qui s'installe, des raisins qui restent sains, qui restent frais. Je pense que c'est ça aussi la caractéristique de Langenberg, ce côté comme ça, délicat, suave, mais avec la fraîcheur, avec le fond d'acidité, avec le sel. Bon, c'est exactement ce qu'on retrouve, hein. C'est suave, c'est délicat, c'est floral, c'est cristallin. La couleur dominante, c'est blanc. On voit bien que c'est un sol clair, même si ça s'épaissit un petit peu. Avec surtout le sel, quoi. L'acidité est très vive en attaque, avec une salivation moyennement intense. Ça monte pas très haut, ça monte gentiment. Ça décroît sur le Sur pointillé. le petit détail, sur la fin. Voilà, et la finale est comme ça très longue, tranquille. On met avec le sel. Moi, je trouve que c'est toujours les Et finales. voilà, c'est précis. On a l'acidité, mais elle est portée par le sel sur le Ouais, final. absolument. C'est Et donc, une ça dimension fait. minérale, Voilà. tendue, salée, avec beaucoup de précision. Et une facilité d'usage très grande, hein, parce que ça sera Ça. vraiment un vin de début de repas, c'est un vin Ouais. d'entrée, c'est un vin qui donne Ah, faim. j'étais en train de penser aux accords qu'on a fait cette année avec justement des réductions de jus de cuisson de moule, la feuille d'huître. Mais c'est très comme ça dans la délicatesse, la précision, dans le côté presque scientifique, voilà. Très précis, quoi. Ouais. Bon, la silhouette que je vois, c'est quand même un jeune type assez mince, sympathique, mais précis. Ouais, vraiment quelque chose de précis, quelqu'un de précis.